Monsieur le maire, le 26 juillet prochain commencent les épreuves des Jeux Olympiques à Paris. Montrouge va-t-elle être de la partie et est-ce que les Montrougiens vont pouvoir en profiter? Alors à Montrouge, il va se passer plein de choses pendant les JO. On va faire la fête et on va se mettre en quatre pour que chacun puisse pleinement en profiter. Donc il y aura quatre lieux dans la ville qui seront proposés et aménagés. Donc il y a la place Crest, la place de l'Aquapole, le CAM et puis le parc Jean Loubéton. Dans chacun de ces lieux, eh bien, on pourra pratiquer des activités sportives librement et puis on pourra aussi assister aux compétitions avec des écrans géants. Voilà, donc chacun pourra trouver le lieu qui lui convient, ou plusieurs d'ailleurs, et donc la ville va vraiment se mettre à l'unisson et va vibrer avec les JO, mais ce sera pas sur les sites officiels, ce sera à Montrouge et ce sera sans doute aussi bien, voire mieux. Alors en parallèle, nous allons continuer tout l'été à proposer les estivales, des rendez-vous que chacun apprécie. Donc il y a les concerts de musique dans le kiosque Méton, il y a les dimanches sportifs, il y a le cinéma en plein air, il y a la nuit des étoiles et plein d'autres rendez-vous de grande qualité pour ceux qui passent leurs vacances à Montrouge. Voilà, donc un très bel été à toutes et à tous, un été sportif et un été comme on les aime. Bel été à tous!